Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le subjonctif présent et passé. Pour vous aider à conjuguer, pensez à mettre « il faut que » devant toutes les formes de la conjugaison. Au présent, les verbes du premier groupe sont réguliers. On conjuguera ainsi le verbe « chanter »,« il faut que je chante », »,« que tu chantes », »,« qu'il chante », »,« que nous chantions », »,« que vous chantiez », »,« qu'il chante ». Les verbes du deuxième groupe sont réguliers aussi. On conjuguera ainsi le verbe « finir »,« il faut que je finisse », »,« que tu finisses », »,« qu'il finisse », »,« que nous finissions », »,« que vous finissiez », »,« qu'il finisse ». Comme d'habitude, les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Prenons par exemple le verbe « venir ». « Il faut que je vienne », »,« que tu viennes », »,« qu'il vienne », »,« que nous venions », »,« que vous veniez », »,« qu'il vienne ». Prenons maintenant les verbes du troisième groupe à la première personne. Par exemple, il faut que je fasse, il faut que je sache, que je prenne, que je vende, que je résolve. Il faut que j'éteigne, que je naisse, que je meure, que j'aille, que je puisse, que je veuille. Il faut que je croie, que je m'assoie ou je m'asseye. Il faut que je plaigne, que je plaise, que j'acquière. On conjuguera ainsi le verbe avoir. Il faut que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. On conjuguera aussi le verbe être ainsi. Il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Parlons maintenant du subjonctif passé. Au passé, tous les verbes sont réguliers. En effet, le subjonctif passé se construit avec l'auxiliaire « avoir ou être » au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe. On conjuguera donc ainsi « il faut que j'aie chanté »,« il faut que j'aie fini » ou alors « il faut que je sois venu ». C'est fini pour aujourd'hui. Attention, recopiez bien la leçon et apprenez-la. À bientôt !